Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode sur Project Car. Donc toujours dans du karting, on est au Dubai Autodrome et c'est parti, on ne perd pas de temps. On y va toujours, taux de difficulté 80%. Donc le premier épisode sur Project Car, a été plutôt bien accueilli. Ça me fait plaisir parce que voilà, c'est de toute façon voilà, quelque chose que je vais continuer de toute façon. Jeu, comme je l'ai déjà dit, exceptionnel, acheté via mon partenaire Instant Gaming. Voilà, 46% de remise, donc je vous invite, si vous aimez ce genre de jeu là, au lieu de le payer sur Steam à 50€, bah, vous l'avez à 26-27€, tout simplement. Donc autant en profiter. En karting, c'est plutôt sympathique, ça change. On a l'habitude de faire de la voiture de course avec du gros DTM, des Formule 1, des IndyCar, du NASCAR, tout ce que vous voulez. Là, c'est avec du karting et c'est vrai que ça change un petit peu. Voilà. Donc, comme j'ai déjà dit, cette fin de semaine, voilà, je partirai en vacances. Hein, je vais le dire dans toutes mes vidéos. Cette fin de semaine, je partirai en vacances. Donc, je ferai de toute façon, comme je l'ai dit également, une vidéo annonce pour vous dire voilà, que je serai en vacances et que je ne pourrai pas répondre à vos commentaires. Je vais tâcher de produire quelques vidéos tout simplement. Et puis vous en aurez tout simplement pendant que je suis absent. Allez, on est toujours avec notre karting, 125 cm3. Dubai Autodrome, première course. Et c'est parti. Allez, on y va. On tente directement de prendre la tête. Il faut que je me souvienne de nouveau du circuit. Ah oui, là ça tournait très très fort. Gros virage à gauche ensuite. Et là c'est vrai que ça change un petit peu du circuit anglais qu'on a eu pratiqué. Et là ça freine également très fort. Oh, je suis complètement à l'arrêt. Ça fait un petit peu beaucoup. Allez, petite touchette, je suis désolé. Alors on m'a dit que je conduisais un petit peu bourrin. Alors bah écoutez, je fais pas exprès de rentrer dans les gens. Hein. C'est un petit peu le principe de la course tout simplement. On est sur une trajectoire, ils sont également sur une trajectoire. Bah si on vient à se télescoper... C'est le jeu de la course. Alors comme je l'ai déjà dit, j'ai désactivé tout simplement les dommages au véhicule. Hein. On aura les dommages visuels, mais on n'aura pas d'incidence entre guillemets sur le comportement du kart. Donc ça virole pas mal. Oh là, j'ai failli me payer les pneus. Il est revenu, vous voyez, hop, lui c'est pas gêné non plus. Alors je sais plus, ça doit être voilà, première course de tour normalement. On va tâcher de rester au contact et de revenir si possible même en première position. Ça va pas être forcément très évident. Allez, on le tient. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à le reprendre? C'est la question. Il faut déjà un petit peu se remettre en tête le circuit parce que franchement, c'est pas forcément toujours évident. Oh, c'est le grand coup de patin. Ah, et par contre là c'est la mauvaise affaire de la journée. Oups, alors attention. Ouais, bah, j'essaye de retourner les gars, hein, je suis désolé. On va pas être top sur cette première course a priori. Ça c'est sûr. Avec le... Allez, tourne un petit peu. Avec le carton que je viens de me mettre là, on est 10e sur 12. Bah on va être pas être top du tout même, je veux dire. Ça va être moins évident que sur... Et puis il faut monter un peu moins sur les vibreurs farming parce que sinon ça va... Allez, bah c'est pas très grave, hein, comme quoi, hein, en niveau 80% de difficulté, c'est pas toujours facile. Hein, on n'est pas comme dans la première carrière MX, enfin dans la carrière MXGP tout simplement, où c'était un petit peu trop facile, je vais dire. Donc c'est intéressant, au moins, on y va. Continuons avec la course numéro 2, et là j'ai quand même pas fait beaucoup de points. Et on va partir plutôt quand même, presque dernier, je vais dire. Donc ça va pas forcément être très évident. Green, green, green. Green, green, green. Allez, on essaye de tout de suite se mettre dans le bain. Ils sont quasiment tous devant, hein, qu'on soit bien d'accord. Allez, on essaye d'en prendre un rapidement ici. Ça a l'air d'être passé. Ah, vous voyez, regardez, il tape aussi un petit peu, hein, c'est pas, il n'y a pas que moi. Ah, là, c'est un beau freinage, un beau passage. On va tâcher de rester devant, si c'est possible. Donc, c'est vrai que quand on a du monde devant, c'est moins évident que quand il n'y a personne.
On est obligé d'anticiper un petit peu plus les freinages. Hop, allez, on essaie de passer là à l'intérieur. C'est passé. Un peu en force, je vous l'avoue. Allez, on attaque. Premier tour, il y en a trois. On va prendre l'inspiration. Et on déboîte. Allez, on n'est pas trop mal là. On commence à avoir le circuit dans les doigts. Aïe, aïe, aïe. Non, non, non. Allez, repas, repas, repas. Oh, ça va être chaud. Voilà. On était bien et on est de nouveau vraiment pas bien. Petite erreur tout simplement. Et résultat des courses, hop, on a reperdu tout ce qu'on avait gagné. Allez, on attaque, on attaque, on attaque. Il n'y a pas autre chose à faire de toute façon. Alors, peut-être un peu moins parler, essayer de se concentrer, essayer de reprendre un petit peu de terrain sur nos... sur les poursuivants ou sur nos prédécesseurs. Allez, deuxième tour. Eh ben, on est là au point de départ. Hein. 10e sur 12. Ça va être chaud. Très très chaud. Ah, ça roule quand même. Hein. Là, on est pas mal. Allez, il serait bien qu'on arrive à faire... à prendre au moins deux positions. Ça serait pas mal. Ça serait sympa. Allez, une, c'est bien. Ça passe à fond. Là, presque à fond. Allez, là, on est pas mal. Ça accélère. Là, on peut sortir un peu large. Allez, encore un, ça serait sympa. C'est pas mal passé là. Allez, bah encore un. 8e sur 12, c'est pas terrible. En tout cas pour cette première course. On va tâcher de faire mieux dans les prochaines. Parce que sinon on n'est pas sûr tout simplement de passer en catégorie high supérieure. Excusez-moi pour le petit bruit. Bon, on va pas regarder les classements parce que franchement là on n'est pas terrible. Alors où est-ce qu'on est nous Farming Savoyard? On est 8e. On a fait qu'un point. Eh ben, on est très très loin. Très 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 loin. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est la carrière, on va essayer tout simplement, on continue. On va relancer la course suivante qui est ici, à Glencairn. Ah ben, je pense qu'on revient... Glencairn, c'est un petit peu près où on était au début, ouais, ben, c'est bien ça. Alors, on va savoir si c'est le premier ou le deuxième circuit. Normalement, on n'était pas trop mauvais. Alors, on va essayer tout simplement d'être aussi bon, je vais dire... auparavant. Alors est-ce que c'était le premier circuit, le deuxième, je sais pas, on va voir tout de suite, on va se mettre au courant. Ou est-ce que c'est complètement différent, je sais pas. J'ai l'impression que les circuits sont quand même un petit peu plus longs. Oh, avance. Qu'est-ce qu'il m'a fait celui-là? J'ai cru qu'il allait caler. Bon, bah circuit que je ne connais pas, donc ça va être tout simplement, hop, la découverte. Il serait bien qu'on perde pas trop de terrain dès le début parce que sinon ça va être chaud. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on est déjà bien en retard. Hein. Ça attaque fort. Bon, en tout cas, cette première course, entre guillemets, c'est bien d'attaquer. Ah ok, bon, alors, on revient à la partie du premier. Si ça se trouve, c'est la réunion des deux. Non, c'est pas la réunion des deux. Parce que là, on allait à droite. Ok, premier tour. Bon, bah écoutez, ça va être chaud puisque 11e. Ça va être très très chaud. Je vais reprendre des positions. Oh là là, oh là là, l'autre il me fait rentrer dedans et il fait n'importe quoi. Bon, bah ça va être du 12 sur 12. Et ça va peut-être pas être terrible pour la suite. Donc vous voyez, hein, c'est absolument pas facile du tout, du tout, du tout. Et si vraiment on n'y arrive pas, bah faudrait qu'on réduise un petit peu le niveau de difficulté, parce que sinon ça va être ballot, mais en même temps ça sera dommage quand même de réduire le niveau de difficulté. Donc il y en a qui sont déjà arrivés.
quoi, vous direz, c'est juste là, hein. Mais c'est 12 sur 12, donc vraiment pas terrible, terrible, terrible. Voilà, bah, ça me rappelle un peu cette carrière MXGP où franchement, au tout début de la carrière, c'était pas évident du tout. Donc là, vraiment, on marque aucun point, on n'arrive pas à marquer de points, c'est quand même pas terrible. Et là, on part bon dernier. Donc, heureusement qu'il y a que 12 places. Allez, faire partir pile dans le virage, c'est abruti. Allez, hop, on essaie. Oh, deux au dévoilage, déjà, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va essayer d'en faire un ou deux autres là dans le passage. Ouh, je rebondis. Lâche la pelouse. On n'est pas dans du farming. Désolé, j'ai repris l'adhérence. Je t'ai sauté dessus. Allez, on essaie de reprendre un petit peu de terrain. Pas évident du tout, hein. Alors vraiment, dès que vous les touchez, ça les fait sortir de la trajectoire. Et puis c'est là qu'on en profite. Maintenant, c'est quand même pas l'objectif de toujours pousser. Oula. Reste sur le terrain. Oh là là, dès qu'on prend ses vibreurs, ça accélère et on sort. Hop, et en plus, je repère la personne que j'avais gagnée. Très très difficile, ça fait un petit moment que j'ai pas joué en même temps. Je ne prépare pas les courses avant de vous les montrer. Hein. Donc résultat, ben, c'est pas évident du tout, du tout, du tout. Mais je pense que je l'ai déjà dit et je vais me répéter. Je pense que là, on va être bon à faire une deuxième saison en karting. Parce que là, franchement... À part la position de 10e, ben on n'arrive pas à faire grand chose. Alors je suis pas sûr que le bruit de vitres cassées ça soit adéquat pour le karting. Parce qu'à preuve du contraire, on n'a pas de phare. Putain, j'arrive pas, et en plus quand j'arrive un peu à me faire doubler, je suis. Oh là là, puis. Vraiment 0, 0, 0. Bah non, 11e. C'est toujours pas ça, vous voyez, cher abonné, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Forming Savoyard en karting, c'est pas le meilleur, hein. Franchement, meilleur en motocross. Allez, et ben écoutez, 43 points, ça se bataille devant, hein, mais... avec mon petit point, un petit peu ridicule quand même, hein, un petit peu ridicule avec mon petit point tout simplement. Il y a une nouvelle course peut-être, ouais, toujours une nouvelle course à Chesterfield. Eh ben allez, on y va, on se lance, on perd pas de temps. On va voir ce que ça donne si on est toujours aussi mauvais, parce que là on va pas parler de... Ah puis en plus c'est celui-ci, ouais, d'accord. Donc ça va pas être triste. D'où partons-nous? On est toujours... Ben pourtant on est en tête. Oh là, je pars premier. Eh ben écoutez, c'est là qu'il faut en profiter. C'est là qu'il faut en profiter. On connaît un peu près le terrain. Alors on va en profiter si possible. Ah, on va couper un maximum sans être puni du fait d'avoir vraiment trop coupé la piste. Allez, on essaie de tenir cette première place. Le terrain là, on le connaît, on sait où ça tourne, on sait où ça accélère, on sait où ça doit freiner. Là, c'est la partie normalement où on prend un gain un peu de temps, on est pas mal. Et sur le retour, on aura fait un tour. Parce que des fois qu'on arrive à se rattraper rien qu'avec une course, hop, coupons pas trop, si ça y est, aussi ils m'ont pénalisé. J'ai quand même un petit peu trop abusé avec le hors-piste. Voilà, des formations. Allez, casse-toi. Hein. Je reste devant, Chesterfield, c'est pour moi. Arrivé de qui? On m'indique qu'on arrive à l'arrivée, c'est ça le principe, parce que position 1 sur 12, jusqu'à preuve du contraire.
C'est Bibi qui remporte cette course. Bah dis donc, deux courses, quatre on va dire même presque pour se mettre en place. Ça crée quand même beaucoup. Allez, on marque quand même 15 points cette fois-ci. On remonte un petit peu dans le classement, 16 points. Il serait bien qu'on soit, victorieux de cette course-là. Et on ferait un grand pas en avant sur le petit championnat, sur ce petit championnat toujours de karting. Et là on est passé, je sais pas, on va dire chez les grands. Allez, on y va. Donc ce petit coquin a pris la pole. Ah, mauvaise idée. Mauvaise idée. Et là ils ont pris un petit peu d'avance. On va essayer de les refaire ici, dans mon coin. Allez. Alors, ici, on reprend un petit peu de trajectoire. Allez, là, on est bien. Si tu t'écartes. Voilà, et c'est propre. Oh, putain. Autant pour moi, pour le gros mot. Ah, oh, c'est pas possible. J'ai dit qu'il fallait terminer en tête et pas quatrième. Là, on fait une glisse, c'est pas terrible. En course, il faut essayer de glisser le moins possible, ça c'est sûr. Ah, on n'a pas réussi à prendre de terrain sur ce passage là qui normalement nous réussit quand même assez souvent. Et ben quand on a un peu le stress de la course, ah, c'est pas trop mal hein. Ils sont juste derrière là, il suffit de regarder en haut comme un abonné m'a dit, et tu regardes en haut la mini carte et effectivement il y a les points avec les gars, les concurrents. Ah, puis en plus il y a pas des coups de lag mais des freezes là. Ça me ralentit les images, c'est vrai que ça va être compliqué. Bon, bah, quatrième. Hein. On pourra pas faire mieux, on a tenu à la première course, pas à la deuxième. C'est pas si mal, hein. D'habitude on fait 10, 12e, là on fait premier et quatrième, c'est quand même pas dégueulasse. Ça pourrait être pire. Allez, on fait quatrième, on fait 8 points. Farming Savoyard, première course. Comment on est là? On est toujours 7e avec 24 points, bah c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible pour la troisième manche, on a amélioré. Mais je pense qu'il faudra qu'on fasse de nouveau mieux pour la suite. Alors qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne qu'il faut tout simplement Summerton. Bah non, ça donne qu'on continue, j'ai l'impression. On est toujours dans ce même championnat, Summerton. Alors par contre, je ne connais pas le circuit, donc ça va être compliqué. Quand je connais un petit peu les circuits, c'est quand même plus facile. Vous pouvez le constater. Maintenant, quand on le connaît pas, et bah, c'est pas forcément très évident. Allez, on va partir quatrième a priori sur la ligne. Donc c'est joli, ça a de la gueule, franchement. De ce côté-là, on peut rien dire. Project Car, c'est un joli jeu. Allez, on y va. On se lance. À mon avis, ton temps sera invalidé, mon coco. Allez, c'est joli, hein. C'est tout... C'est tout sec. Allez, hop. Oh, arrête de faire du hors-piste là, s'il te plaît. Ce sera gentil. Tu me laisses, j'ai pris la... Oh là là, j'ai pris la trajectoire et l'autre, ça me rentre dedans. Je vous explique pas. Oh, ça bataille avec lui. Hein. Allez, on essaye de se tenir. Premier, deuxième. Deuxième, c'est déjà pas mal. L'idéal, c'est premier. Allez, on est au deuxième tour. On a l'air pas mal. On va essayer de pas trop le bourriner. Allez, on fait l'intérieur. Voilà, regardez si c'est pas beau ça. Hop, on le fait sortir de la trajectoire sans choc, sans rien. C'est propre, comme on dit. Ouais, c'était le fait de se remettre un petit peu sur le jeu, je pense, les deux premières courses. Et on peut jouer depuis quelques jours, bah, c'est toujours pareil, il faut se remettre. Alors sur certains jeux, c'est les touches qu'il faut réapprivoiser, je vais dire. Là, c'est quand même un petit peu plus rapide, donc les touches, c'est simple, hein, c'est accélérateur, frein, direction.
Et vous voyez, on est quand même un petit peu meilleur, tout simplement, quand on a repris les bonnes habitudes. Allez, premier, c'est parfait, on y va, on continue, on se fait 15 points. On remonte, cinquième place. Allez, on va essayer d'être dans les trois premiers, hein, puisque je pense que l'objectif, c'est d'être dans les trois premiers. On va tâcher de faire une bonne course, une bonne deuxième course après, après une bonne première course, en tout cas. On ne l'attaque pas forcément du meilleur côté. Pour être à l'intérieur, j'ai l'impression que j'ai été plus rapide que lui. Allez, on y va, c'est parti. Il faut rester concentré, vigilant, pas trop mordre sur les vibreurs, parce que ça vous envoie vite dans le décor. Pas mordre du tout l'extérieur du terrain, parce que c'est pareil. Alors là, c'est la catastrophe. Pas trop freiner fort, vous voyez, regardez, toc, direct un petit travers quand on appuie trop fort sur le frein. Faut donner, enfin en tout cas moi mon astuce c'est de donner des petits à-coups de frein, parce que quand vous écrasez fort la manette, ça vous fait partir tout simplement en sucette. Là on a l'air pas mal, et puis si on regarde sur la mini carte là-haut, ils sont pas tout de suite à proximité, hein. il est pas dans mon pare-choc à l'arrière, il est pas dans mes petits trous, il est un petit peu plus loin. Donc on est pas mal, il suffit maintenant entre guillemets d'assurer du mieux qu'on peut. Voilà. Donc j'ai écouté la première vidéo, on n'entend pas trop les bruits de la manette, hein, donc ça va. C'est pas désagréable pour vous en tout cas. Oula, par contre c'était pas beau. C'était le tout droit. Et puis ça m'embarque là, il faut accélérer, freiner, accélérer, freiner. Et là celui-ci est très traître, très traître, c'est pas évident à dire. Hein. Vous l'aurez compris. Allez, deuxième tour, toujours en première position. On tient le bon bout. On va pas crier au loup trop vite, parce qu'en général, quand ça se passe comme ça, vous connaissez le proverbe, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, on n'est absolument pas victorieux. Allez, on y va. On accélère, on est toujours pas mal. Hop, hop, hop. Voilà. Regardez comme ça va vite. Là, on perd encore un peu de temps. On sort pas trop sur les vibreurs, comme j'ai déjà dit, ça fait vite partir en cacahuète. Impeccable. On tient le bon bout, ça y est, c'est la ligne droite de l'arrivée. Impeccable, a priori, on marque, je crois que c'est 25 points, 15 et 25 points, me semble-t-il, ou peut-être 15 et 15, je sais plus. On va voir tout de suite, hop, on continue. C'est 15 et 15, voilà, donc on fait 30 points, regardez, on peut pas faire mieux cette fois-ci, je vous montre. Course 1, premier, course 2. Premier, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, c'est magique, on remonte troisième position. Les premiers se tiennent en deux points. Ça va être peut-être difficile de les rattraper ceux-là, mais en tout cas, troisième place, ça me paraît pas mal. Au vu du démarrage de ce championnat, j'ai l'impression qu'il y en a encore. Greenwood, toujours nouveau circuit, connais pas. République d'Irlande. On va voir ce que ça va donner. Ça a l'air plutôt joli au milieu de... Voilà, l'Irlande, c'est plutôt vert. Il y a pas mal d'arbres, effectivement. Là, regardez, on a l'air d'être dans un petit écrin de verdure, plutôt sympathique. Allez, on a l'air de partir quatrième. C'est pas mal. Hop, on fait chauffer le moteur. Et on va voir ce que ça donne en Irlande. Allez, on fait un décollage canon. Super. Ah, par contre... Un peu moins super au premier virage. Il a mieux anticipé. Mais je pense que je vais te faire un bel... Oh là, je pensais que ça tournait plus fort que ça. Un bel intérieur. Bah non, finalement tu me l'as bien mise. T'es parti bien loin. Ah là, ça tourne très très fort. Il serait bien qu'on assure une bonne place ici. Là, qu'est-ce que c'est? Non, on n'a toujours pas fini le premier tour. Hein. Je vais traîner un peu fort. Là, oh là là, regardez, il me met sur deux roues. Là, ça arrive, ça force derrière. Allez, c'est pas évident, hein, cette fois-ci.
Là, il faudrait pas trop. Là, par contre, il faut freiner très très fort. Oh, il m'a mis un cône pour me. C'est du Mario Kart. Il m'a jeté une banane pour me faire sortir de la trajectoire. Oh là là, là ça, par contre, ouf. Là, je me suis rattrapé in extremis. Ah, il est chaud, hein. Troisième, bon, c'est pas si mal. Il suffit que les deux premiers soient les deux premiers au championnat et là on serait pas mal. On serait pas mal. Je sais pas du tout qui est voilà 15, 12, 10. Finalement on perd que 5 points. 91, 91, ouais, ils se bataillent, voilà, on prend une bonne marche sur le quatrième, c'est ça qui est important. Pour les deux premières places du championnat, je pense que je me suis un petit peu loupé au départ, donc c'est pour ça que ça va être. Oula, bah, regardez faire. Ça va être un petit peu compliqué. Allez, on essaye de. Tout de suite prendre du terrain. Allez, avec un peu de chance, ils vont se batailler tous les deux. Et résultat des courses, c'est comme ça que ça se passe en course, on en profite. Allez, un, c'est propre. Allez, là aussi c'est propre, on se met dans la trajectoire. Normalement, ils forcent pas trop. Oula! Retour de trajectoire. Ah, ouh, à chaque fois ici là je mords légèrement et franchement hop, c'est un petit peu dangereux ce que je fais. Eh ben écoutez, regardez ça, premier tour, c'est pas mal, on a l'air pas si mal que ça. On va tranquillement essayer d'assurer. Ah, c'est que j'apprécie aussi, hein, super sympa. Regardez ces effets de lumière qu'on a là. Là, je pense qu'il y a moyen de passer quand même beaucoup mieux que ça. Là, c'est pas trop mal. Oula, je suis beaucoup trop à l'extérieur. Là, c'est pas du tout bon. Ça fait perdre trop de temps. Allez, il est revenu. Par contre, il en a profité. Ça, c'est sûr. Hein, dès que vous faites une erreur, ça ne pardonne pas. Ah, je ressors trop large, trop fort, trop haut. Là on est pas mal, il est pas loin derrière, je crois que c'est cette touche là, voilà, pour regarder. Ouh, ça devient chaud, les erreurs s'enchaînent, les doigts se crispent, l'enjeu est là, au bout de mes doigts. Et ça devient, ah, oh, ça devient intéressant. Allez, on se relance, on essaye de se remettre dans le timing. Parce que tout est une question de timing, hein. Il faut accélérer et freiner au bon moment. Une fois que vous avez pris le bon timing, ça passe tout seul, ça passe tout crème comme on dit. Là, je suis plus rapide qu'un précédent secteur, enfin un précédent passage. On va y arriver. Oula, ça c'est mauvais, ça c'est très très mauvais. Pour bondir sur les vibreurs avec un karting. Eh bien écoutez, parfait, regardez ça. Ça s'est plutôt bien déroulé pour cette deuxième course. À Greenwood, et eh ben écoutez, on va remonter un petit peu. Qu'est-ce qu'on est? On est troisième et premier. Champion Aaron Jones, je finis troisième, donc bah, c'est pas si mal que ça. Hein. J'aurais pu être mieux. Je finis à 20 points du premier, vous pouvez le constater, et à 18 points du deuxième. On revient au tableau bord de la carrière tranquillement. Eh bien écoutez chers amis, merci d'avoir regardé ce deuxième épisode sur Project Car. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, n'hésitez pas à laisser vos impressions. Vous avez atteint la fin de cette saison, voulez-vous signer à nouveau pour la prochaine? On verra, on regardera ensemble les emails tout simplement. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis un pouce rouge si ça ne vous a pas plu. Portez-vous bien, ciao, bye bye.